J'arrive sur zone, prépare-toi. J'ai un signal sur le radar. Ok, cible en vue. Envoie-lui tout ce que t'as. J'ouvre le feu, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau shipyard. Même si les tourelles ont pu connaître quelques déboires par le passé, elles ont depuis reçu quelques modifications et sont bien plus agréables et performantes qu'à l'époque. Savoir bien gérer vos tourelles lors d'un combat vous permettra de prendre le dessus, même sur un vaisseau plus gros. Nous allons donc voir ensemble comment tout cela fonctionne. Tout d'abord, comme les armes, les tourelles dépendent de points d'attache. Mais ceux-ci sont spécifiques aux tourelles, vous ne pourrez donc pas mettre une tourelle à la place de votre canon avant. De plus, elles ont aujourd'hui une restriction liée à la coque. Cela veut dire que vous ne pourrez pas mettre une tourelle d'Idris sur un Hornet. Cette restriction veut aussi dire que vous ne pourrez pas mettre une tourelle habitée à la place d'une remote tourelle. Aujourd'hui, donc, plus question de taille de tourelle, comme le reste des équipements. Par contre, les points d'attache disposés sur celle-ci et qui vous permettent de changer d'arme fonctionnent toujours d'après ce principe. De plus, il est possible de rajouter des équipements qui ne sont pas des armes à feu, tels que des radars. Il existe en jeu à ce jour trois types de tourelles. Les habités, où un joueur ou un PNJ doit rentrer pour pouvoir l'utiliser. Les remote tourelles, qui sont contrôlées à distance via une console ou un siège, et dont vous pouvez avoir le champ de vision via un écran. Et enfin, les points de défense, qui sont uniquement contrôlés par des IA. Dans l'absolu, toutes les tourelles peuvent être contrôlées par une intelligence artificielle. Mais cela veut dire que vous devez avoir un ordinateur prévu à cet effet à bord de votre vaisseau, et y insérer un composant spécifique. Mais cela ne sera jamais équivalent à un joueur ou même un PNJ qui sera capable de prendre des décisions ou d'écouter vos ordres. Chaque type de tourelle a ses forces et ses faiblesses. Les habités, par exemple, si elles sont détruites, peuvent rapidement laisser un trou béant dans votre coque, mais possèdent souvent des armements plus lourds que les remotes. Elles possèdent également deux modes de tir différents. Un mode de tir standard, où toutes les armes tireront à la fois, et un mode rafale, où les armes tireront les unes après les autres. Cette fonction permet de toucher plus souvent un ennemi, mais la force d'impact est moindre. Vous trouverez aussi un bouton contrôlant le mode gyroscopique. Autrement dit, lorsque le vaisseau change de direction, soit la tourelle suivra automatiquement le mouvement du vaisseau, soit la tourelle restera statique, ce qui vous permettra de suivre une cible indépendamment des mouvements du vaisseau. Et grâce au système de sous-ciblage, vous pourrez viser des zones particulières du vaisseau ennemi telles que les moteurs. Les remotes, comme dit précédemment, possèdent un armement légèrement inférieur, mais sont très faciles d'accès, n'obligeant pas à avoir quelqu'un à l'intérieur en permanence. De surcroît, si elles sont détruites, l'intégrité de votre coque restera intacte. Pour finir, les points de défense couvriront vos arrières sans que vous n'ayez rien à faire. Cela veut dire qu'elles s'occuperont des missiles ou des torpilles qui vous menacent, mais par contre vous ne pourrez pas cibler d'objets avec. Plus le jeu avance et plus les tourelles prennent de l'importance. Il sera donc impératif de bien former vos canonniers et de bien choisir vos tourelles. Mais attention, une tourelle surpuissante risquerait de trop consommer et d'éteindre d'autres systèmes. Et si vous êtes aux commandes du vaisseau et que vous voulez jeter un œil aux activités de vos canonniers, un jeu récent vous permettra de voir l'orientation de vos tourelles par rapport au vaisseau sur la miniature de celui-ci. Ce shipyard tourelle est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous au prochain shipyard où nous parlerons des fiches techniques des vaisseaux. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou prendre de votre temps pour regarder des pubs volontairement sur Utip. Les liens sont dans la description. Mais vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Et nous rejoindre sur le Discord Roxy La Rotule pour participer au développement de la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.